Ouais, bah laisse tomber, t'as win. Ouais, t'abuses pas un peu là par hasard? Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour affronter les petits abonnés parce que vous êtes tellement nombreux à me demander d'affronter les abonnés qu'aujourd'hui on va le faire, mais on va pas affronter des abonnés juste pour affronter des abonnés. On va y avoir une petite récompense à la clé pour eux. La récompense sera un petit maillot Clash Royale, un petit peu comme ceci. Voilà, une petite veste Clash Royale, enfin un petit lot en tout cas de goodies Clash Royale. Donc ça après je parlerai en MP avec eux parce que ça dépend des tailles etc. Parce que je commence un peu à être crack, j'en ai déjà envoyé vraiment vraiment beaucoup. Mais pour ce faire aussi ce sera pas un BO3 en mode normal où on va juste affronter les abonnés avec des decks normaux genre qu'on a l'habitude de voir dans la méta actuelle. Il y aura des conditions qu'on a préparées à l'avance, regardez, voilà les petites conditions ici. Il y en a 3 qui vont être positives pour moi et 7... négative. Donc par exemple les trois premières qui sont positives pour moi, c'est interdit pour ton adversaire de jouer Lockbait. Donc ça comme ça ça met bien pour jouer au cimetière, tu vois, tu connais les bails, parce que le double fût on n'aime pas trop. Deuxième condition, ton adversaire est obligé de jouer un deck en dessous de 2.6 d'élixir pour une game. Donc c'est bien 2.6 en dessous de 2.6, donc 2.6 le cochon de enfin le cochon de 2.6 du coup il est interdit. Donc on soit bien d'accord. Troisième condition, tu as le droit de connaître le deck de ton adversaire avant la game. Donc ça c'est on va pas se mentir que c'est très très fort. Et j'ai 7 conditions négatives, donc interdiction de jouer cimetière, de tout le BO, jouer le Minor Cycle de 2.0 de Morten, 2.0 d'Elixir, ok. Obligé de jouer tout, de jouer le même deck tout le BO, donc BO, BO3, donc le meilleur en 3 games, le premier en 2 victoires remporte le BO. Donc si je dois jouer le même deck, mon adversaire peut s'adapter, ça c'est vraiment pas mal. Jouer un deck sans sort, interdit de jouer des bâtiments de tout le BO, donc ça c'est, j'avoue que dans certains decks ça peut être problématique. Jouer un deck à une moyenne de 5 ou plus, donc ça on va pas se mentir que là ça va être compliqué, et jouer un deck full cartes squelettiques, donc 10 conditions. Après on ira sur random number, voilà, tout simplement pour générer un nombre entre 1 et 10. Par exemple je génère un nombre ici, c'est 7, donc hop je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jouer un deck sans sort, voilà, là j'aurais pas le droit de jouer de sort dans mon deck, donc croyez-moi que jouer un deck sans sort c'est vraiment pas pratique du tout. Bref, du coup je serai en VOC avec les petits abonnés. On va les affronter, il y en aura 3 à affronter, on va les affronter un par un. Et s'ils me gagnent, bah bien sûr, voilà, ils gagneront un petit lot Supercell. Si vous kiffez le concept, n'hésitez pas, les potes à me le faire savoir, en bombardant la barre des likes, bien sûr, c'est vraiment le moyen de montrer que vous kiffez la vidéo et le concept. Si on dépasse la barre des 1500 likes, bah on fera un épisode 2. Pourquoi pas prendre un peu plus de gens, pourquoi pas même en faire un live, pourquoi pas donner un peu plus de choses, des plus gros cadeaux, je sais pas, des cartes Google Play, Apple, etc. Enfin bref, j'en sais rien. Il y a des choses à faire, il y a un petit concept là qui peut se faire, donc c'est assez sympathique. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, et du coup les potes, bonne vidéo. Et du coup les potes, on est parti dans ce premier BO contre Ressus, je sais pas trop comment prononcer ton pseudo frérot. Ressus. Ok, ouais. Bah bienvenue à toi frérot, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'es prêt à faire ce BO3. Est-ce que tu penses pouvoir avoir une chance de me battre? Je sais pas, honnêtement, je pense pas. Ok, oh, il est très défaitiste, très très défaitiste, mais encore une fois, les potes, comme vous l'avez vu dans l'intro, il y a des conditions, donc on va commencer par tirer la première pour cette première game, donc hop, on va aller tout simplement ici, donc voilà, il y a encore les 10 conditions sous vos yeux, on va aller sur random number, on tire entre 1 et 10, on génère, et on a, ok, la condition 9, donc ça c'est dans mes conditions pas très jouer un deck à une moyenne de 5 ou plus. Ok, pour la première game, moi je dois gérer un, okay, super. Yes, ça commence bien. Voilà, t'as l'information, hein, Ressus, de ce ouais. Que je vais jouer, du coup, un deck à 5 plus, les potes. Du coup, je crée le deck et on est parti, les potes, dans la première game. Ok, du coup, les potes, on va être parti dans la première game. Regardez juste mon deck. Hein, voilà, 5.0. J'ai fait 5.0 pile. Hein. J'ai pas été joueur, j'ai pas fait plus. J'ai essayé de créer un truc rapide. Bon, ça. À vue d'œil comme ça, ça sent pas bon. Je vais pas vous mentir que ça sent vraiment pas bon. Du coup, on va lancer la première game. Du coup, bonne chance à toi, hein, Ressus. BO3, les potes, du coup, le premier en 2 victoires. Hein. Remporte le BO, tout simplement. Ok, on est parti dans cette première game. Oh, bon. Je lui ai donné l'information sur le deck, sur les recrues. Je lui ai dit que je joue recrue comme un idiot parce que bah j'étais pas mis dans le bug. Hein. Du coup, il sait que je joue recrue. Ok, nous on est parti recrue fond de map. Ressus qui joue pas. Ok, sorcier électrique de son côté. Attendez, j'ai quasiment pas le son du jeu dans mes oreilles, je vais augmenter un peu. Hop, nickel. Ok. Petit fureur voir de son côté, très bien. Très bien, très bien. On va jouer ça fond de map. Hop. Est-ce qu'on ferait pas les cancers? Bien sûr que si en fait. Barbare des topos en fait, la spéciale. C'est la spéciale. Oh là, ok, MK.
Attendez, on va vite dépop ça quand même. je suis quand même assez cancer, hein. Oh, attendez, mais parce qu'il y a. Oh, je sens qu'il y a plus d'Alex là. Oh, petit sorcier électrique. Ah, t'as quand même pris de tarif là. Ça va, j'ai cru prendre pire. Oui, oui bon, pendant une seconde, je pensais que t'allais perdre la tour, hein. Mais je me suis dit que ça allait quand même rapide là. Mais bon, non, ça va, finalement, ça va. T'as un minimum bien défendu, mais est-ce que t'as encore quelque chose pour ça en fait? Ah, je sens. Ouais, ah oui, c'est ouais, c'est un peu la galère là. C'est un peu la galère apparemment. Effectivement. Ok, du coup, est-ce que t'as encore quelque chose pour ça? Ça va. Ouais, mais ça, c'est de la triche en fait. Non. Ah, ça, c'est pas autorisé, hein. Ok. Bah, moi, j'ai ça. Ouais, attendez, un tech 1.5.0 sans ma sorcière préférée. Non, c'était pas possible en fait. Ce n'était point possible parce que regardez, on est devant, on est clairement devant. Surtout que bah. On n'est toujours pas dans le x2, donc dans le x2, mon deck prendra toute sa puissance. Hein. C'est vraiment un deck créé pour ça en plus, ça qui est bien. Ouais, petite recrution, on va défendre assez tranquillement. Ok. Est-ce que. Non, j'allais forcer au pont comme un idiot, mais vas-y, on va temporiser tranquillement. Ok. On va split ça. Ça, on va le dépop vite. Hop, nickel. Les cochons à droite qui sont en train de connecter. Là, on va être sorcière et puis on va mettre du coup. Alors, normalement, j'ai le temps de mettre mes recrues. Ouais, nickel. J'ai le temps de mettre mes recrues ici parce que la sorcière a fait spawn directement ses squelettes. Hein. Ça a changé hein, depuis. Vous le savez, hein, le dernier équilibrage. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Rissous, pardon? Non, j'ai vu que la sorcière, elle a été un peu. Ouais. Ouais, voilà, elle était un peu buff, du coup ça fait plaisir. Et là, on remet la pression derrière. Le MK qui va se faire directement attirer par notre pêcheur. On va mettre les barres d'élite directement pour des pops aussi. Regarde, on est en train de bien gratter des deux côtés là. Et là, on est pas mal. Hein. Là, on est pas mal parce que regardez derrière. Oh, c'est terminé, les barres d'élite qui vont connecter à la tour. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Rissous qui va directement perdre la première game en fait et se faire mener 1-0. Aïe 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 aïe. Il a plus le droit à l'erreur. Plus le droit à l'erreur. Je vais juste retirer un nom du coup les potes. Hop, on va retirer un nom ici, je vous le montre hein, pour bien vous montrer qu'il n'y a pas de triche. Le numéro 6 du coup pour la game suivante, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obligé de jouer les mêmes decks tout le bio. Ah bah là maintenant, à partir de maintenant je suis obligé de jouer le même deck. Très bien. Bon, tu connaîtras pas mon deck, mais je vais être obligé de jouer le même deck. Donc je vais être obligé de jouer ce deck là en fait. Je vais être obligé de jouer ce deck là, c'est aussi simple que ça. Vu que j'ai commencé avec celui-là, bah je vais rester avec celui-là pour faire simple. Donc là je suis obligé de continuer avec ça. Donc ça m'arrange pas des masses, mais écoutez, bah c'est comme ça, ça fait partie du défi. Et du coup on est parti directement dans la game numéro 2. Ok, on est parti dans la game numéro 2 les potes, du coup je suis obligé de jouer le deck à 5.0 tout au long du BO. C'est la coalition qui est tombée malheureusement, donc du coup là Rissous peut tenter de s'adapter et tout simplement battre hein, deux fois de suite. Parce que là, si je gagne une game, c'est terminé pour lui, malheureusement. Donc, est-ce que tu sens capable de remonter la game? Est-ce que tu penses avoir trouvé un deck pour me battre ou... Tu penses ou pas du tout? Je pense pas, hein. On va voir. C'est donc jamais. Ok, ça va jouer PK, bah, du coup, je vais directement faire ça. Hop. Comme bon, il vient jouer de cette délex, donc du coup je vais punir complètement de l'autre côté avec les cochons là. D'ailleurs, on va défendre avec ça. Voilà, parce qu'il est obligé de défendre un côté droit, sinon il perd la tour quasiment. Du coup, on met la pression de l'autre côté avec les gargouilles. Ok, bon petit zap. Ça, par contre, je veux pas défendre. Je vais essayer de connecter tranquillement. On a mis des bons dégâts à droite, donc on peut assumer un peu de dégâts ici. Et je sais que là il a plus sorcier électrique, donc je peux me permettre de partir ballon au pont. Parce qu'il a peut-être l'archer magique, mais même s'il défend archer, je pense que normalement ça va quand même mettre un coup. Voilà, nickel, chaussette. Là par contre, c'est bien joué le fantôme wall là qui va m'embêter. Hein. Ouais, il faudrait juste que l'archer connecte pas, s'il te plaît. Ah bah yes! Ça a quand même mis 3-4 coups. Hein. Ça a quand même 3-4 coups, mais on a déjà pris une tour. Nous on a déjà pris une tour, donc on est très très bien pour l'instant. J'avoue que contre moi, là, t'aurais vraiment. Je te donne conseil si tu gagnes la game parce que t'aurais vraiment dû prendre full dégâts de zone en fait. Ouais, ouais. Genre Valkyrie et tout, tu vois. Valkyrie, bébé dragon, ça t'aurait mis trop bien. Ok, sorcière ici. On va partir avec recrue hein, pour protéger tout ça. Hop, nickel. On va arriver en plus dans le phase 2, donc on se met plutôt pas trop mal. Il est parti du coup poison.
On va mettre les cochons royaux ici. Ça, c'est le placement pour qu'ils aillent tous sur la tour de gauche. Enfin, qu'ils dévient sur la tour du roi. Après, j'aurais peut-être pu mettre aussi une tour du roi, effectivement, parce que on avait un petit push. Ok, attendez, là, j'ai pas grand chose. Ok, on va faire ça comme ça. Ok, on va mettre pêcheur ici. Ok. Le PK qui va aller tuer mon pêcheur. On va partir sorcière là. Oula. Mince. Ah, mais je suis obligé de faire ça en fait. Le problème là, c'est qu'il y a un archer. Bah oui. Oui, oui, oui. Ah, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, mais non en fait. Arrête de tricher s'il te plaît. Ok, allez, en vrai, on a tenu la défense. On a tenu la défense et attendez, attendez, attendez. Parce que là derrière, on va pas le laisser voilà, continuer à mettre la pression. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage, c'est dommage parce que t'as mis des bons dégâts sur la tour, mais malheureusement. Malheureusement, tu vas t'incliner dans ce BO. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis désolé, hein. Je suis désolé, c'est la règle. Le perdant, malheureusement, n'a rien. C'est comme ça, c'est. Je suis désolé. On pourrait pas tenter sa chance une prochaine fois. J'espère quand même que t'as kiffé. Dans l'ensemble, j'espère que t'as kiffé. Désolé, hein, que ce déclos, je l'écris à l'arrache, hein, pourtant. Pas grave. Bah, j'espère que t'as kiffé, mon frérot. C'était vachement cool, merci à toi. Et puis. Et puis voilà quoi, peut-être à une prochaine sur les lives ou autre, hein, parce que bien sûr on en fera des concepts comme ça, donc n'hésite pas à retenter ta chance une prochaine fois. Merci beaucoup et une excellente journée à toi mon frérot. À toi aussi. Est-ce que t'as un mot de la fin pour la vidéo ou pas du tout? Je sais pas moi. Bon, honnêtement j'en ai pas. Code créateur roi dans la boutique. Code créateur roi dans la boutique. Bon allez, merci frérot. Allez, merci beaucoup à lui les potes. On va du coup enchaîner sur le deuxième BO. Du coup les potes, on est parti sur le nouveau BO contre Akicho. Non, Akicho pardon, c'est un fake d'Akicho pour ceux qui connaissent. je suis relou. Akicho que j'ai battu un nombre de fois incalculable. Je pense sincèrement, je pense qu'il en a marre de moi. Sauf que aujourd'hui. Deux trois fois pour moi c'est 300 fois mais il faut pas le dire. Mais aujourd'hui bah tout il y a tout qui est remis en question parce que il y a les conditions qui rentrent en jeu. Donc on va encore une fois de plus aller tirer bien entendu une condition pour le début de ce BO. Hop, on va retourner ici. Hop, random number entre 1 et 10 et c'est la 8e. Alors 1 2 3 4 5 6 7 8 et je suis interdit de jouer des bâtiments de tout le BO. OK. OK. Bon, encore une fois par contre ça je l'ai pas expliqué mais les conditions bien sûr sont cumulables hein. après chaque game je relance pour que ce soit plus compliqué même parce que là si j'ai pas le droit de jouer de bâtiment juste ça bon ça devrait le faire tu vois. Je peux jouer des decks sans bâtiment, il y a pas de souci quoi mais voilà, du coup, je n'aurai pas le droit de jouer bâtiment. Si je joue bâtiment, bien sûr, dans un deck et que je m'en rends pas compte, bah, bien entendu, je perds la game. Hein. C'est comme si tous les bâtiments pour moi étaient bannés. C'est aussi simple que ça. Et du coup, on va se retrouver tout de suite, les potes, dans la première game. Ok, les potes, du coup, je vais commencer avec ce petit deck-là. Ce petit deck-là, bon, classique, basique, tu connais les bails. Et en vrai, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Et on est parti, du coup, dans la première game. Oh, si ça veut bien lancer. Hop. Allez, on part dans la première game. Je finis juste vite fait de faire mon deck et puis ben. Vas-y, ah oui, pardon. J'ai fait ton deck. Deux cartes à remettre et puis c'est bon. Voilà. Vas-y. Nickel. Let's go. Vas-y, on est parti du coup dans la première game. Bah, bonne chance à toi, frérot. Merci. Merci, BO3 merci. Encore une fois. Le premier en deux victoires remporte le BO. Et bien sûr, s'il gagne, il remporte une récompense qu'il recevra directement chez lui. Ok, chevalier de son côté. On va partir chasseur ici tranquillement. Chasseur, un très bonne carte. Hein, bon, aussi. Ça. Ça me fait penser au deck GR. Ah ouais, mais bon. Est-ce que j'ai une tête à jouer GR? Est-ce que j'ai une tête à jouer GR? Une fois. Oui, j'ai déjà joué GR, c'est vrai. C'est vrai, mais si je peux éviter le jeu, je joue pas. Ok, là, c'est le chasseur qui va rester en vie ici. Ok, bon, là, on va laisser faire ça. C'est du cimetière double prince. Peut-être pas. Je te donne pas d'informations, frérot. À toi de connaître les decks. Je connais ces decks. Cimetière défensif, ok, tout le monde va. Oui, dis-moi. Je sais pas c'est qui a ému entre moi et toi. J'ai toujours perdu ce ennemi. En vrai, le double prince te fait quand même assez mal. Je pense que ta cabane de parpare, elle est pas aussi forte qu'avant. Donc... Et puis j'ai quand même chasseur et tout en défense. En vrai, je pense avoir un bon petit match-up, ouais. Mais c'est pas impossible quand même, tu vois. Pour le cabane. Ouais, je sais. C'est compliqué, mais... Pas impossible. Ok. Là. Hop. Ok, il a bien joué, la pierre défendue.
Oh non, oh il a tourné. Je pensais que l'électrocuteur allait mourir avant que j'aurais le temps de mettre barbare. Parce que là, si mon prince est parti à droite, il a pu son chevalier, Ouais. du coup, sa Et cabane en j'aurais les été coins. obligé Ouais. de défendre un peu short. Oui, c'est ça. Du coup, j'aurais mis une bonne pression ici. Ça sent le chasseur arriver, ça. On met ça comme ça. Il y a les barbares et j'arrive, donc j'ai pas envie de mettre chasseur, je t'avoue. Ah ouais, c'est vrai que... Ok, nickel. On n'est pas trop mal là. On a bien défendu quand même le cimetière avec le poison. Hop, on va repartir du coup en pression. Bon, c'est bien comme ça, je te colle bien ce que je dis en plus. C'est vraiment pas mal quoi. Je suis vraiment pas trop idiot moi dans mes games. Ok, regardez l'objet de mes cimetières défensifs. Ouais. J'ai peut-être un peu forcé la défense là. Ouais. Je t'avoue que là, je m'attendais pas au cimetière en dé, je t'avoue. Ok. Ok, ça on va les poisonner ici. Ok, nickel, on va faire tomber la cabane, on va tuer le mousquetaire, ça c'est pas mal. On a un prince encore qui est quasiment midlife à gauche. Ok, on va mettre un ah, petit coup bien sur joué. La tour, ça c'est cool. Merci, merci. On va mettre électrocuteur ici. On va repartir en pression directe. Si je me trompe pas, normalement ton cimetière doit mettre 0 coup. Ça dépend après, ça reste de la RNG, mais normalement, oui, vu que je l'ai pas collé à la tour, c'est censé en mettre 0. Ouais. Et ça reste de la RNG quoi, donc du coup, un cimetière, enfin, un squelette peut quand même spawn sur le côté et te mettre, t'arrives sur la ouais, tour. J'avoue. C'est vraiment du aléatoire. Oui. Enfin, c'est pas que de l'aléatoire non plus, parce que sinon je vais te goumer, mais. C'est. Dans l'ensemble, oui. Ok. Nickel. Ça défend bien, ça ah non, défend par bien. Contre, mon cheche qui est parti autre part. Ok, ça va mettre la pression, si c'est pas mal un peu ça. Trop tôt. Et on va mettre chasseur directement pour dépop ça. Ok, cabane, on va aller les chercher direct. Ah, ça focus le chasseur par contre, ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'il vient de se passer là. On va remettre son poison ici pour ah, aïe aïe aïe. J'ai voulu. Ouais, t'as essayé de protéger j'ai la mousse. J'ai essayé de garder quoi. Ma. Ouais, j'ai vu ce que tu voulais faire. Hop, on va faire ça comme ça. Nickel. Après, la game reste tendue, hein, tu vois, c'est pas. Y a pas, tu vois. J'arrive pas vraiment non plus à prendre un gros avantage. Ouais, mais bon, là, c'est la fin, là, c'est sûr. Bon, et très que attention, effectivement, ça commence à être compliqué. On va pouvoir bloquer ouais, sur le ton point. Prince. Un petit feu à barbe pour être sûr de pas prendre trop cher. On va mettre électrocuteur ici. Voilà, on va poison également. Ah, bien joué. Tu as win. Et on va aller remporter la première game. On va aller remporter la première game. Bon, j'avoue que j'ai pas été fun. Non, j'ai pas essayé une chair. Mais excusez-moi, les potes, les conditions ont choisi que je ne joue pas de bâtiment. Je ne joue pas de bâtiment, moi. Après, j'ai pas de dé. Du coup. Désolé, j'avoue que c'est très rare de cimetière. Du coup, je gagne 1-0. Encore une fois, il faut que je gagne la prochaine game, les potes, pour remporter le BO. Et on va, encore une fois, hop, reprendre une petite condition. N'oublie pas, les potes, que j'ai pas le droit de jouer au bâtiment dans le BO. Je et sens là, le là... petit malus arriver pour moi. Ouais. Gros malus, ouais. Ouais. Alors, j'ai pas le droit de jouer de bâtiment, je dois jouer un deck à une moyenne de 5 ou plus. Ouais. Ça te va ou pas? Ça commence à faire beaucoup, là, par contre. Bon, voilà, je dois jouer un deck à 5 ou plus sans bâtiment. Bah écoutez, je vais te le call, hein. Je vais reprendre le même deck qu'avant pour bien call, tu vois. Je reprends le même deck qu'avant. Dans le duo d'avant, je parle, parce que bien sûr, il l'a regardé. Il était dans le clan, il était en vogue mes mutes, donc je pense qu'il la loupe quand même. En tout cas, GG. Bon, ouais, bah GG à toi. GG, bonne chance, frérot. On est parti du coup, les potes ardents, la deuxième game. 1-0 pour l'instant pour moi. Je n'ai pas le droit de jouer au bâtiment, et là, je dois jouer un deck à plus de 5 d'élixir. Enfin, 5 ou plus. Ouais, bon. Je vois que je me suis appris. Oh, on est resté sur le même deck apparemment. Oui. Okay, je pense qu'il peut counter ton deck. Et bon, alors ça tout de suite. C'est super, tu t'en prendras qu'à toi. Le mec vraiment pas cool.
Oh, désolé, c'est mon petit frère. Bonjour la famille Cuccio. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Ok. J'aurais pensé que mon bébé drag aurait mis deux coups, mais avec le coup de ta sorcière. Ouais, sorcière, ouais. Ça. Oui, là. Tue pas. Ah bah yes. Ah bah effectivement, ça c'est, oui. C'est un peu problématique ça par contre, ouais. Ok, bien joué, activation tour du roi. Je vois que monsieur maîtrise hein, la tornade. Est-ce que tu penses que la tornade devrait être nerf en vrai ou pas du tout? Bah en vrai, pour les dégâts, pas trop. Mais genre son rayon devrait l'être, parce que le rayon est vraiment trop grand, je trouve. Mmh. Ok. Oh, tes Drake Skull font tourner ton ballon. Je pense que ça aurait tourné quand même. Non, crois-moi que ça aurait pas tourné. Ok. Je t'avoue que j'ai un doute. Il faudrait faire un test, mais possible que ça tourne pas, effectivement. Bah, contre... Bah, j'ai déjà joué contre, bah, du coup, Molos Ballon, et quand je plaçais ma tornade comme ça... Le ballon il tournait pas. Ok d'accord. Bah après là je sais que si j'envoyais le ballon à droite, je sais qu'il tournait pas. Là j'étais sûr et certain qu'à droite il tournait pas, mais je m'attendais pas à ce que tu cabanes maintenant en fait. Mais très bien, t'as bien défendu pour l'instant, ça joue bien de deux côtés. On va arriver en x2, hop, on va pouvoir partir au fond du terrain pour aller s'installer. Très bien. Et on va partir comme ça. Ok. C'est comme j'ai déjà le bébé drag à droite. Ah non mon bébé. Oh non. Oh non deg. Je suis en pleine réflexion sur quoi faire. C'est pas facile. Alors en fait j'ai que des cartes chères, ultra chères, genre que. Ah oh, bien joué. Merci mec. Ah, sauf que Barbardi te fait vite des popcorn. Ouais, mais t'as quand même pas mal gratté. Enfin, défendu, je voulais dire, oui, pardon. Oui. Effectivement. Bien joué. Il y a la horde à droite aussi qui peut aller faire mal. Voilà, c'est obligé d'aller tornade. Donc ça, c'est pas mal pour moi. Et le ballon qui va quand même, hein. Allez. Gratter. Ouais. Hop. On va jouer comme ça. Vaut mieux garder le cheu vers le bas, quoi. Ouais, bah surtout que j'ai pêcheur. J'avoue que j'ai mis pêcheur, mais tu attends, carte chiton, on va mettre ça dedans. Ouais, puis pour l'instant, je garde un peu l'avantage, mais c'est. C'est chaud quand même. On va pas se mytho. Hop, petit ballon à gauche, parce que là il tourne pas, là c'est obligé de tornade. Sinon, il va. Aller gratter. Après, la défense qui a été très très bonne, non. On va pas rajouter plus. Sinon, on court à la perte. Comme là, par exemple, t'as pu voir que j'ai raté un peu mon cimetière. Ouais, mais j'ai pris quand même tarif. Hein. Tu vois, cimetière raté, mais quand t'as pas vraiment de défense, c'est compliqué. Hein. J'ai pris quand même tarif. Oui, j'avoue que c'est hardcore quand même. Bon, là, j'ai un peu ému, entre guillemets, on va dire. Oui, bon, après, voilà, c'est le but hein, aussi. Hein, c'est pas non plus. Après, là, on arrive dans le x3. Peut-être que. Il y a un mode où je peux faire quelque chose. On va faire ça. Ça. Après, il y a 27 barbares qui arrivent sur ma buff, mais au calme. Ça. J'en étais sûr. Bon, pas besoin de défendre à droite. Pour un petit. Ah, j'ai voulu pré-shot. Raté. Malheureusement, c'est pas passé. Ah, la cabane m'embête trop, je vais la lose. Après les cochons grattent, oh, en vrai. Hein. Ouais, je vais la perdre. Ah, j'ai pas réussi à tank. Dans tous les cas, les potes, j'étais trop low. Après, j'ai mis des bons dégâts quand même. J'ai mis des bons dégâts. Je vais malheureusement m'incliner ici. Voilà, tour qui va tomber. Mais GG. J'aurais quand même tenu. Chaud. Le truc c'est que c'était la cabane, hein, il a la tornade, j'avoue, je pouvais pas passer malheureusement. Après, t'as ouais, bien, cabane, bien joué. Tornade. Mais t'as quand même pas mal gratté quand même, alors que j'avais la cabane, j'avais la tornade. Ouais, j'ai bien gratté. Et j'avais le bébé drag aussi. Du coup, ma horde ne pouvait pas faire grand chose dans ce match-up. J'avais même la tornade juste pour la horde.
C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. On va enchaîner sur la dernière game et on va du coup retirer. Oh, ça c'est une condition pour moi ça. Ça je reconnais ça, c'est une condition pour moi ça. Oh non! Tu as le droit de connaître le deck de ton adversaire avant la game. Okay. Aïe 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 aïe, tu es obligé de, donner, de me donner ton deck. De me dire ce que tu vas jouer. Et bon, genre bah, la contre... carte principale du deck ou genre c'est. Non, le deck entier, le deck entier. Le deck entier, les 8 cartes. Bah, tu le partages dans le clan en vrai. En vrai, partage le deck dans le clan, ça va plus vite. Vas-y, vas-y. Tu partages le deck dans le clan de ce que tu vas jouer. Et du coup, moi les potes, je n'ai plus le droit. Enfin, j'ai toujours pas le droit de jouer de bâtiment. Mais par contre, là, j'ai pas de condition. Donc interdit de jouer. Enfin, genre jouer un deck à une moyenne de 5 ou plus. Ça par contre, c'est pas obligatoire maintenant. Là, je peux jouer ce que je veux, mais juste que j'ai pas le droit de mettre de bâtiment. Voilà, tout simplement. Bon, vas-y. Ok. Ok, ok, ok. Bah écoutez, hein, je vais rester sur le même. Bah ok, hein, très bien, si tu as confiance en toi. Parce que par exemple, genre si je prenais celui-là, tu prenais Molos, c'est mort. Tu prenais, comment ça s'appelle, Lockbait, c'est mort aussi entre guillemets, c'est chaud. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et t'aurais pris le deck MK Bait, c'est mort aussi. C'est en fait, un deck avec le Dragon de l'Enfer ou une... Ça y est, j'ai repris le bon. C'est parti. Ok, après qu'Akuchu se soit trompé les potes, on est reparti du coup dans la dernière game. Un partout, entre Akuchu et moi. Et la game finale en fait. Alors... Hein, pour, après, il y a aussi bah, le deck que j'ai actuellement. Bah, du coup, le deck que tu sais ce que je joue. Oh, t'as pris du golem ou quoi? Ah écoute, hein, c'est possible. Ah, ça va être chaud. C'est possible. C'est quoi ce deck? Bomber, ça, ouais. Ah, mais ça va faire perdre ma cabane. Tant pis. Je préfère la perdre que autre chose, quoi. Tu reconnais pas le deck là? Oh non, t'as pris mon deck. Oh non. Oh non. Oh non, t'as pris mon deck, ça se fait pas. Bah écoute, hein, moi j'ai pas de deck, je prends un deck. Hein. Bah écoute, on a deux petits coups de géant là au calme. Clairement, tu as le match-up. Ah ouais? Avec ton deck? Okay, oui, okay. Oui, je te jure que t'as le match-up. Ok, ok, bon, écoute, hein, j'ai pris un deck que t'as mis dans le clan. Non, mais t'inquiète. C'est le jeu. Oh, la petite batte. Oh, la petite batte, là, quand elle met un petit coup. Ça, on aime bien ça, quand elle va mettre des petits coups comme ça, là. Ouais, et t'as le match-up parce que, du coup, bah, je vais pas te dire les combos que je fais quand je joue contre ce deck, quoi. Parce que après... c'est le but. Oh là là. Oui, là t'as le... Enfin, après, j'ai en cimetière, je maîtrisais de base. Bon, cette version-là, j'ai jamais joué, mais... je connais un minimum le combo, donc ça devrait aller. Tu m'étonnes que tu l'as jamais joué. Bah, d'ailleurs, mon deck que tu joues... les decks que j'ai galéré à win, c'est genre les MK Bait, les Log Bait... Enfin, ah, le bait avec tes deux, ouais, c'est dur. Ouais. Oh là là, le poison raté. Aïe, aïe, aïe. La pression. Tu passes par là, toi. Oh non. Bon. Bah. Pardon. Oh bah. Oh bah. Qu'est-ce qui s'est passé? Le. Tu t'es pas mis bien là. Ouais, bon, écoute, ça va. Oh bah, moi, tiens, je viens de misclicker un fuit à barbare. regarde ma défense, regarde ta tour. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien après. Hein. C'est. Voilà quoi. Bah, en même temps, je t'ai un peu dit, t'as le match-up. C'est pas faux. Du coup, on va continuer à mettre la pression là. Hop là, nickel. Les bats qui vont aller prendre la cabane. C'est vrai que le bombardier fait un taf monstrueux hein, sur une cabane de barbare. Bah ouais, c'est ça fort, en fait hein. Le souci. T'as le bomber, t'as les gargouilles pour mettre. Ben, t'as les gargouilles pour la défense sur mon cimetière et c'est assez galère, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Okay, on va et puis tu as le match-up. Bien le joué. Pauvre. Le pauvre. Oh là là. C'est pas drôle.
Mais moi j'ai pris un deck quand même. T'aurais mis n'importe quel deck, j'aurais pris n'importe quoi, hein, vraiment. T'as mis ça, écoute, je prends ça, moi. Je suis désolé, hein. Ah, genre, j'aurais pas partagé le deck que je. Enfin, le en fait, de base, deck, je voulais prendre le cabane de barbare. Mais genre, on faisait la cabane et mettre squelette, j'avais mis squelette à la place. Oh, super, j'ai rien, j'ai placé un cimetière, j'ai rien pour gérer tes bots. Bon, bah, GG, hein, c'est un super combat. Jamais j'aurais cru que t'aurais joué mon deck, tu vois. Ah écoute, hein, c'est le brain, hein. C'est le manfuck, hein. Oh là là. Oh mince. Putain. Ouais, dis plutôt que t'as fait exprès. Quoi? T'as fait exprès, hein. De quoi? Mais oh. Oh non, je voulais garder mon level, c'est vraiment pas ouf. Oh, petit bloc au pont là. Bah, j'ai pas vraiment le choix en fait. Ouais, bah laisse tomber, t'as win. Ouais, t'abuses pas un peu là par hasard. Alors peut-être. Non, bref, pas trop quand même. Bon, bah, GG. J'ai fait exprès de pas finir à la fin, j'ai fait exprès de pas finir, je voulais que tu tentes un truc, malheureusement. Aïe, Akuchu, malheureusement, qui s'incline ici, hein, les potes, qui s'incline malheureusement devant, toujours pas de vainqueur, en fait, toujours pas de vainqueur, on aura un dernier joueur. Par contre, ce joueur pourra juste pas Vogue, donc on va jouer normal, genre juste sans Vogue, donc je parlerai tout seul, malheureusement, il était pas disponible en vocal. Mais encore une fois, les potes, si vous kiffez, on fera un autre concept, en vrai, c'est vraiment cool, c'est vraiment fun, donc bah, n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. Je sais pas si Akuchu a bugué, mais je vais juste le reprendre. Non, je suis là. Ah, ok. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé du coup du BO3? Désolé encore de la défaite, hein, mais je respecte la règle. J'ai quand même essayé à la fin de troller un peu, mais. Ouais, non, mais t'inquiète. Bon, c'était top, tu vois. Bah, tant mieux, alors, tant mieux si t'as kiffé. Écoute, c'était sympa, c'était fun. Bah, voilà, encore une fois, désolé. GG à toi, et puis bah, en espérant que, pourquoi pas une prochaine fois, tu puisses enfin me battre et gagner quelque chose. Le pauvre, il doit me détester. Je t'ai donné un deck que j'aurais pas dû. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as un petit mot de la fin pour la vidéo? Bah, abonnez-vous. Parfait. Bah, y a pas mieux les potes. Et du coup, les potes, on va enchaîner avec le troisième BO. Ok, bah, okay les potes. Hein. Du coup, on est parti sur le dernier BO contre Star The Top, qui est pas un joueur mauvais, qui a un petit level, un peu comme Akuchu aussi. C'est des joueurs voilà, qui se débrouillent bien sur le jeu, donc ça fait plaisir. Donc, encore une fois, malheureusement, il sera pas en Vogue, mais on va avoir la petite condition qu'on va devoir aller chercher. Et on va voir ce que c'est cette fois-ci. Est-ce qu'on va avoir un peu moins de chance, un peu plus de chance? Je sais pas trop. On va tirer ici, ça c'est la 8ème. Alors du coup, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je suis encore interdit du bâtiment de tout le BO. Bon, c'est le hasard, je peux en y faire. Les potes, malheureusement, on n'a pas encore eu les autres. Parce que j'avoue, jouer le Minor Cycle de Prince Grand Morten, genre c'est limite une défaite pour moi, tu vois ce que je veux dire. Mais là, je suis encore interdit de jouer bâtiment de tout le BO. Donc bah, on va commencer la première game comme ça, les potes. Et puis bah, du coup, on est parti directement dans la première game. Et du coup, on est parti, les potes, dans cette première game contre Star The Top. J'ai rejoué le même deck hein, que contre Akuchu, j'ai rejoué la même chose, je me suis pas pris la tête, je n'ai pas rejoué le bâtiment donc on va rester là-dessus. On va pas non plus voilà, aller tryhard prendre des decks, enfin si au final on prend quand même des decks cimetières. J'avoue que j'aurais peut-être pu aussi essayer de prendre un peu moins de decks cimetières pour que ça soit un peu plus... Mais je me dis qu'il y a déjà des conditions, donc je me suis dit quand il n'y a pas de conditions négatives pour moi, je vais peut-être tenter aussi voilà, de gagner des games parce que le but c'est pas non plus de laisser gagner gratuitement les abonnés, hein, c'est pas le but non plus du concept. Faut quand même que voilà, ils aient... la possibilité de pouvoir gagner, mais que je ne laisse pas gagner non plus, hein, sinon c'est pas fun, bien entendu. Ok, on joue du deck rapide, du Minor Sapper rapide pour Star The Top. Hop, petite batte ici, nickel. Je crois que justement c'est le Sapper de Panzero, non? De Morten, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, hein. Si je dis pas de conneries. Il me semble que c'est ça, ok, ici on va avoir le bombardier pour aller gérer ça. Je sais pas si c'est les one shot. Oh, c'est le meilleur HP. Un HP restant, ça leur met, ça c'est pas mal. On va les protéger ça. Ok, nickel. Ah, par contre, elles ont pas toutes passé le pont. Ouais, elles ont pas toutes passé le pont, malheureusement. Et là, ça tourne à bon ici qui va les gérer tranquillement, géant. Malheureusement pour moi. Ça va les gérer tranquillement. Non, je crois pas que ce soit 2.0 parce qu'il y a quand même. J'ai un doute, hein. J'ai un doute sur le fait que ce soit 2.0 en face, là. Ok, nickel. Nickel. Pour l'instant, on défend bien. Ça défend bien des deux côtés. On prend notre temps. Ok, ça envoie les bûches, hein. Dès qu'il sera à portée.
Voilà, en plus on prend les sapeurs, donc on va pas dire non. Là je vais mettre la pression ici avec ça. Hop. Oh nickel ça. Nickel, nickel, là nos petites battes qui ont géré ces battes. Bon, ça va, son mineur qui a eu pu tanker comme ça. On va quand même aller mettre des petits dégâts avec les battes. Donc c'est clairement pas négligeable. Et on va repartir juste dans le fond du terrain, tranquillement. Hop, on va aller s'installer, on va tenter un truc. Ok. Est-ce qu'il va partir? Oui, il va partir en pression de l'autre côté, j'imagine. Donc on va aller bûcher du coup direct. Oh, il n'y a même pas besoin. Il n'y a même pas besoin parce que mon bombardier est en train de tout focus. Petite erreur de ma part ici. Ok, on va repartir hop, ni PK dans le fond du terrain. On va mettre ça et ça. Ok, on va mettre un petit poison ici. Hop, bon, donc il va aller gérer le second lancer bacane. On va quand même être regarder des bons dégâts avec ce cimetière là. Le joueur malheureusement qui va tomber, mais on a déjà mis des très très bons dégâts. Il a encore en plus les sap, enfin le mini PK à gérer. On va pas défendre plus. Oh aïe aïe aïe, le mini PK qui va mettre un coup et on se met bien dans ce début de game. On va aller bûcha. Hop. Même si on va assumer les dégâts du gobelin Sarbacane. On va repartir mini PK dans le fond du terrain. Alors je le mets aussi loin pour la tour à bombe bien entendu. Oh ok, il joue une roquette. Très intéressant. Très très intéressant. Mais du coup à nous de mettre la pression là. Hop, on va poison direct. Et normalement il va pas pouvoir défendre à la perfection là. S'il a pas la bûche là, plus le gobelin Sarbacane derrière, ça peut être compliqué. Hein. Aïe aïe, ouais la roquette là. Oh le bombardier qui a gratté la tour. Aïe 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 aïe, le bombardier qui a gratté la tour. Et du coup on va aller remporter cette première game. Et on va mener 1-0 contre Stars au top. Mais regardez, même quand je prends des decks je joue pas de base. Bon après le combo je le connais, j'arrive quand même à gagner avec ce petit jeu en cimetière ici. Bon j'avoue que le mineur roquette après, bon c'était compliqué pour lui malheureusement. Du coup on va mener 1-0, on va reprendre une autre condition. Du coup la deuxième condition ce sera, on va retourner sur random number. Ce sera la cinquième et c'est... Jouer le mineur 2.0 de Mortel. Bon, j'ai fait une autre version. Ça reste un mineur à 2.0 et ça reste n'importe quoi. On est bien d'accord. Hein. Ça reste un mineur sapeur complètement what the fuck. Hein. Certes, c'est comme Mortel. C'est pas exactement le même, mais voilà. On reste sur du 2.0. Du coup, petit mineur sapeur de Mortel. Donc, je veux dire mineur sapeur à 2.0 pour moi. Obligé de jouer. Mineur sapeur 2.0 pour moi. Merde. Hop, pour moi. Ok, hop, et comme ça il peut prendre un counter en fait. Ça qui est bien là, c'est qu'il peut prendre complètement un counter et me détruire en fait. Il peut me détruire. Oula, mais par contre il y a des bugs avec les demandes. Je sais pas si ça arrive qu'à moi ça, mais il y a des bugs en fait avec les demandes. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup, j'ai des fois genre la demande qui se met pas dans le clan. Je sais pas d'où ça vient. Ok, allez, on est parti dans cette nouvelle game, les potes. Mineur sapeur pour moi. Ok. Hop, on va mettre le petit sur glace ici. Il y a une boule de neige, ça va pas m'arranger des masses. Ok, petit squelette ici. On va partir mineur là-bas. Ah, bah yes. Ok. Il va falloir boule de neige plus boule de feu. J'ai géré un ballon, mais je suis à poil d'Alex, voilà, j'ai perdu la game. J'ai déjà perdu la game, en fait, c'est... Ouais, je sais pas s'il y a pas les battes, en fait, de base dans le deck. Je me demande s'il n'y a pas les battes en fait. Mais attendez, comment on peut faire 2 points? Ah si, il y a peut-être pas la boule de neige, peut-être pas la boule, je sais pas. Je sais plus ce qu'il y avait dans le deck, donc du coup j'ai créé un peu une variante, mais on va pas se mentir que ma variante est pas foufolle. Hein. Et pas foufolle en termes d'aérien. Ok, il a tout remonté pour gérer ça. Nickel. Nickel, nickel. Aïe. Aïe. Aïe, mais elle est pas drôle. Donc on va remettre la pression, que j'ai déjà pris tarif. Ah, il a bûché plus de double de neige pour gérer ça. Ouais, malheureusement pour nous. Attendez, il y a un bail. Oh, let's go, les sapeurs miroirs qui connectent là. Enfin, un seul malheureusement, parce que j'ai mon esprit électrique qui arrive un peu tard. J'aurais dû le mettre devant. Comme ça, ça aurait sauté directement sur les bottes et ça m'aurait mis bien. Oh, ça je le savais. Sauf que je peux pas défendre. Ah il a la bûche et puis il aura la boule de neige derrière. Eh oui. Oh il a raté un peu. Donc on va quand même aller connecter ici. Malheureusement je vois pas comment je défends correctement là, je vous avoue. J'ai pas les battes, je suis vraiment con. Je n'ai pas les battes. Je pense qu'il y a les battes quand même dedans de base. Parce que les battes sont tellement fortes.
Les bats sont tellement fortes de base. Ok. On va mettre petite pression ici. On va remettre une pression avec boule de feu. Bon, on tente des choses, hein. Bon, par contre, je peux aller one-shot ça. Ça, je dis pas non. Hop, nickel. Attendez. Alors, peut-être... Attendez, sur mes notre boule de neige. Ok. Le problème, c'est que je viens d'utiliser mon miroir. Ok, bien joué. Oh, alors, peut-être... Oh, le sapeur français ici qui va connecter, qui va légaliser la game, en fait. Oh, la defense qui est en train de passer pour le joueur français. Oh, par contre, je spam comme un porc. Hein. Oh, c'est spamland, mon frérot. C'est spamland. Ah, malheureusement, ça sera pas connecté, là. Ah, le bâtard, bien joué. Est-ce que je suis pas un peu nul en fait? Ouah, la tour à boum, comment elle se fait dépop par contre? Non, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué parce qu'il le sait au moins que je peux pas. Oh non! Je vais perdre la game, non! Bien joué, mon frérot. Je vais quand même aller prendre la tour. Ah là là, j'avoue qu'avec les pattes, il y a peut-être moyen de faire un truc. Avec les pattes, j'avoue, contre un ballon rapide, il y a peut-être moyen de faire un truc. Bon, malheureusement, c'est pas passé. GG à lui. Après, bon, il y a quand même bâtiment plus double sort. Donc, GG, on va lui dire GG. GG à lui. Et puis, on va aller tirer, du coup, une dernière condition, les potes. Hein. On va aller tirer une dernière condition pour cette dernière game. Du coup, on va prendre Dom Number, on repart et on va tirer la 7ème. Donc, 2 après celle-là, et jouer un deck sans sort. Alors, j'ai pas le droit de jouer de bâtiment et j'ai pas le droit de jouer de sort. Donc, comment vous dire que là, ça commence à être compliqué, là. Ça commence à être compliqué. Alors, je vais mettre, je n'ai pas le droit de jouer de bâtiment, ni de sort. Voilà. Il est où mon deck à 5 points? Il est où à 5.0 mon deck, là? Parce que je vais pas vous mentir que j'ai rien d'autre, en fait. J'ai rien d'autre... Est-ce que celui-là, si, il y a des sorts? Ah, est-ce que le colis est considéré comme un sort? Ah, je lui demandais s'il considère le colis comme un sort. Bon, je pense que oui, mais à voir. À voir. Et je lui demandais s'il considère comme un sort ou pas. Je vais attendre sa réponse. Non, tu vas le prendre, ok, très bien. Après, peut-être que c'est considéré comme un sort, hein. C'est possible, bien entendu. Mais s'il considère comme un sort, bah tant pis. Enfin, si vous considérez comme un sort, au moins on le saura pour la prochaine fois. Allez, on est parti dans cette game. Bon, j'ai pas bâtiment. Non, la charrette n'est pas considérée comme un bâtiment, c'est une troupe quand même de base. Jusqu'à se transformer en bâtiment. Ok, on va mettre des bons dégâts, là, avec le petit gobelin. Parfait. Bon, là, j'ai pris un deck qui date d'avril... De... qui date d'avril 2020. Bah, yes, hein. Et ma défense. Ma défense incroyable. Ok, on va partir princesse ici. Donc je pense qu'il joue un deck... comment ça s'appelle? Mince. il joue un deck clone, je pense. Je pense que voilà, il s'est dit pas de sort, pas de bâtiment, ok, je pars sur un clone, et c'est pas en soi, c'est pas bête, hein. Pas de tornade, etc, c'est vraiment pas con. Et pour un chasseur ici. Ok, nickel. Nickel. Ok, on va renvoyer un fil du coup en pression. Parfait, on redéfend bien.
Tiens, mettre la pression. Ok, non. Il a pas l'air. J'aurais pu juste mettre la voleuse. Hein. Je suis pas compris pourquoi je vais aller racheter des squelettes là. Ok, ok, ok. Pour l'instant, ça va. On est un peu devant, mais rien de foufou. Ok, parfait. Je vais mettre Charrette. Je vais mettre Charrette ici. Je vais laisser son pêcheur faire sa vie. On va remettre des sapeurs en pression par contre. Voilà, comme c'est l'objet de défendre. Oula, ok, s'en va colis. Ok, s'en va hop, voleuse ici, comme ça, ça va kite. Parfait. Nickel, la défense qui a été bonne pour l'instant. On va remettre la pression de l'autre côté. Ah, il a un miroir. Ok, il a un miroir. Ok, parfois on a bien mis nos squelettes là. Ok, ok, je parle pas trop, je le focus un peu parce que bon, le deck est pas facile en face là. Ok, on va remettre la pression de l'autre côté. Hop, vous le suivez. Avec sa peur, on met une pression. On met une pression là. On sait qu'il a un pour gérer ça. On va remettre une princesse. On est en train de faire très très mal hein, sur la game là. Ok, ça on va aller colis. Je chasseur ça. Ah, ma princesse qui va quand même tomber, ça c'est un peu dommage. Ok. Ok, 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 il repart miroir dans le fond du terrain, pourquoi pas. Les sapeurs, les sapeurs. Oh, let's go, let's go, les sapeurs. Oh, les sapeurs français, encore une fois. Les sapeurs français. Ok, on va remettre la pression avec voleuse et squelette au pont. Ok, ça veut dire de quoi tanker, on va mettre ça là-bas. On va remettre les sapeurs. On va remettre une princesse ici. Ok, ça n'a pas connecté. Attention pêche quand même. Attention pêche. Attention pêche quand même là. Ouais. Hein? Quoi? Comment ça? Comme quoi? Comment ça j'ai défendu aussi bien? Oh mince. Oh mince. Oh attendez, comment j'ai défendu aussi bien? Alors là je m'attendais vraiment pas aussi. Je pense que la princesse a fait un taf vraiment monstrueux ici. Hein. La princesse a fait vraiment un taf monstrueux. Ok, s'en va colis. Oh. Ouais, le colis c'est un peu cheat. Le colis, je vous avoue que c'est un peu cheat. Le colis c'est un peu cheaté. Et pour ça, même en vrai, même si je gagne, vu que j'ai le colis en vrai. Ouais, parce que je pense que sans le colis, jamais de la vie gagne. Sans le colis, franchement, je sens jamais de la vie gagne. Donc j'avoue qu'on va pas compter. On va pas compter le colis, les potes, on va pas compter le sort. Et on va bien entendu lui laisser la victoire. On va le laisser win. Je vais lui faire le colis étant. Je pense sincèrement que c'est considéré un peu comme un sort, les potes. On va pas se mentir que. Ouais, on va lui laisser. On va lui laisser, les potes. On est très. Voilà. Je préfère lui laisser. Je pense que le colis était je pense que voilà, c'est quand même un sort. En vrai, je pense quand même que les potes, c'est considéré comme un sort. Vous avez vu, je pense que sans ça, franchement, sans jouer bâtiment, sans sort, là, je pense qu'avec son deck, il m'explose. Franchement, sincèrement, je pense qu'il m'explose. Donc. Bref, ne vous inquiétez pas, il aura son cadeau, vous inquiétez pas, il aura son cadeau. J'espère, dans l'ensemble, les potes, que vous avez kiffé. Ça fait une vidéo assez longue, mais assez fun, voilà. Donc c'est, moi, j'aime bien, voilà, comme ça, jouer avec les abos et tout, c'est cool. De jouer en vocal avec eux, ça leur fait plaisir, ça vous fait plaisir. Et encore une fois, si vous kiffez ça, bah, n'hésitez pas à me le dire et on en fera bien sûr d'autres épisodes et pourquoi pas avec des plus grosses récompenses, bien entendu. Donc, bah, si vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes et à vous abonner, ça fait super plaisir. Sur ce, c'était Wolof. Je fais des bisous. Peace tout le monde.